frérot. Tu as déjà vu un humain te dire ça, alors qu'il vient de te sortir de prison, et que la seule chose qu'il te demande, c'est ça. Comment tu veux ne pas changer? Réellement. Parlons réellement. Comment tu veux ne pas changer? Je t'ai obligé de changer. Aujourd'hui, on a fait donc Thonon, et pour moi, c'était une vraie réussite parce que ça a ramené des gens un peu partout. Tu as des gens qui sont venus de plein de villes, des gens qui ont fait le déplacement, qui ont fait l'effort de venir, et surtout, ça crée des liens trop importants. Je te jure, quand tu vois que tous ces gens-là, ils ne se seraient jamais rencontrés sans Sitié, ou peut-être que quelqu'un a pu se rencontrer sur les réseaux, et encore, tu vois. Mais ce que ça apporte, ça n'a pas de prix. Et ça, c'est ce que j'ai toujours voulu créer. C'était un peu, tu vois, c'est pour ça que je l'appelle l'âme, tu vois, de Sitié, parce que ça veut tellement dire de. C'est tellement lourd en résonance, ça a tellement de, c'est un poids tellement important. Tu sais que là, dans le tournoi de Thonon, t'as potentiellement, les futures stars de demain. Comme dans tous les jeux de cartes, à Magic, quand tu vas faire un GP à Magic, tu vois les joueurs professionnels, t'as les mecs qui sont là, ils leur demandent des photos, des autographes, des conseils. Alors, moi je joue ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est exactement ce qu'il va y avoir dans Cross. Pour vous annoncer le deuxième tournoi à Crozier Edge qui aura lieu en France cette fin d'année avec un cash prize de 100 000 $ pour les gagnants. Voilà, donc entraînez-vous dès maintenant parce que ça va envoyer du lourd d'ici la fin de cette année. Ça sera un tournoi à 256 joueurs et ça sera un tournoi avec énormément de nationalités. Qu'est-ce que ça va être quand tu vas avoir les hardcore gamers, les Japonais, les Brésiliens, toute la nouvelle communauté qui arrive des US? Tu vas faire quoi? Je crois vraiment que tu vois, tu as le. Alors, bon, j'ai foi. J'ai foi, t'as vu, dans mon pays. J'ai foi dans le berceau, tu sais, de Cross. En me disant que, ouais, on va avoir des Français qui vont être hors normes, c'est sûr et certain. Mais voilà, tu vois, tu. Thonon, ça a été le point de commencement. Et tu sais qu'à partir de là, on ne repartira plus en arrière. À partir de là, ben, on est parti, quoi. Je crois que c'est le seul épisode où ouais, je me suis dit, putain, je sais pas, je vais pleurer là. Et d'ailleurs, c'est là où je t'avais envoyé un message en te disant. Non, je crois qu'on s'est eu au téléphone après l'épisode. Que je t'ai dit, je crois que c'est la première fois que je peux dire que je suis Tu m'as fier. demandé une prime pour émotion. La prime émotion, La ouais. prime émotion. La prime émotion. Et je la mérite quand même, hein. Demain, t'es chaud pour la mail, on finit celle ça dans l'avion. Ouais, c'est bien. La fin, on la révèle pas trop, comme on a dit, pour ça, moi, c'est un peu le rôle, tu vois. Et vas-y, il a que deux minutes, ça va couper. Et du coup, pour le merch, t'en parles demain, on fait quoi? Je sais pas, ce mois-ci, fin du mois, ça sort, on met ça sur Pixelar. Allez!
Le maquillage, le styliste, il y avait tout. Il y avait même les pizzas. Je peux créer aussi en partant d'un téléphone, d'une idée. Et c'est ce que j'aime bien faire, tu vois. Je peux être de partout. Avec mon téléphone, je suis de partout. Donc je me dis, je peux être dans le train, il y a une idée, bam bam, je me pose sur Canva, etc. Et j'échappote mon truc et je balance et j'envoie. Et Coralie, elle est là pour sublimer le truc. Mais l'idée, moi, je fais naître les idées. Coralie, elle sublime. Et ça marche de ouf, tu vois. Alors qu'avant, c'était, j'arrivais pas à travailler avec les gens. C'était très difficile. Si je dois parler en termes de progression, je pense plus que je me suis améliorée dans mes capacités humaines que dans mes capacités artistiques, parce que j'ai vraiment pu apprendre à travailler avec des grosses équipes, que j'étais plus toute seule dans mon côté. Comme j'ai dit, on sortait encore du confinement. Du coup, j'ai vraiment dû réapprendre à communiquer avec d'autres êtres humains et à travailler en équipe. Et c'est vrai que c'est ça que j'aime bien aussi avec Swed, c'est parce qu'on a vraiment une bonne entente. Et on s'accorde assez facilement sur qu'est-ce qu'on veut, quelle ligne directrice on veut donner au merch. C'est quand tu es animé par une mission, parce que pour moi c'est une mission, enfin, c'est même pas un taf, y a pas de taf, c'est une mission. Quand la mission elle est claire, tu connais la route, et tu laisses rien passer. Tu laisses rien passer et c'est incroyable d'avoir autant de pouvoir. Je te mens pas, quand Samy te dit, fais. Il n'y a pas de contrainte. J'ai jamais travaillé, je travaille avec des marques. Il y a toujours une contrainte, toujours un truc où tu ne peux pas laisser de libre à ton imagination, à ta créativité. Et pour moi, c'était le plus gros salaire qu'ils pouvaient me poser sur la table. Ça, ça c'est bon. Ça, c'est lourd. Ah, ouais, pas vu. Ah, ils sont sortis. J'ai les premiers. Tu as que rigolé. Moi, tant que tu restes vif. Tant que je fais pas des sandales. Ouais, je. C'est vrai que j'en parle un peu avec pas mal d'émotions parce que à chaque fois, je repense à ma vie il y a un an. Enfin, il y a un peu plus d'un an maintenant, et qu'est-ce qui n'a pas changé du tout au tout, quoi. C'est... Enfin, il y a des trucs que je peux pas vraiment dire, mais... C'est assez profond, tout le changement qu'il y a eu dans ma vie en l'espace d'un an. C'est pour ça que je suis juste trop reconnaissante, en fait, de tout ce qu'il y a dans ma vie actuellement. Enfin, du côté travail, du côté personnel, je suis... J'ai juste tellement eu de la chance. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Des gens que j'ai rencontrés, des expériences et des opportunités qu'on m'a données, c'est assez fou, quoi. Parce qu'en soi, tu vois, c'est une mission. C'est une vraie mission. Pas que pour ma famille, pour tout ce qui m'a apporté aujourd'hui, tu vois, pour tout ce que Cross apporte. On n'a pas ça chez nous. On est des gars de quartier. On n'a pas ça. On n'a pas ce genre d'exemple. On n'a pas ces gens qui tendent la main comme ça, qui te mettent là, autour des grandes personnes, tu vois, pour que toi-même tu deviennes grand.